La peur. Bonsoir. La France a peur. N'ayez pas peur, hein. C'est le sueur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Pendant 2 ans, ça va glisser tout seul, hein. On va vous en mettre plein le fion. Plein le fion, mes amis. 75 ans, et puis 500 euros de retraite, c'est bien suffisant, putain. Oh, arrêtez de vous plaindre un peu, merde. Au diable, les gilets jaunes, la crise sociale, le parasitisme libéral qui bouffe les services publics, le déclassement, le chômage et ses chiffres bidons, l'insécurité programmée, faites place à la nouvelle terreur mondiale qui profite à nos maîtres, le coronavirus. Contaminé, contagieux, qui va répandre une maladie à travers la ville, qui vous tuera tous. Soignez-vous avec le coronavirus, là, c'est pareil, c'est bien voulu, arrêter votre délire dans votre tête, là, hein. C'est une grippe, c'est un virus, et tout, c'est arrivé avec l'industrie, hein, le monde industriel. C'est comme ça, il y en aura d'autres. Donc avec ça, voilà, là, 2-3 litres de sueur, ça va glisser pendant 2 ans, tranquille. Donc arrêtez de pleurer, hein, laissez-vous sodomiser. Oh! La peur, voilà une méthode aussi vieille que le monde pour soumettre encore les peuples. Et comme par hasard, ce sont certains pays qui font chier le système, tel l'Iran, la Corée du Nord, ou encore l'Italie. Comme vous n'avez pas les couilles, eh ben, ça va glisser pendant 2 ans. Et tout cela part depuis une ville en Chine. Pourtant, il y a encore 3 semaines, les merdias et citoyens en avaient vraiment rien à foutre. Maintenant, tout d'un coup, ça flippe et ça vient donner des conseils en prévention. Bande de crétins, l'épidémie de grippe saisonnière fait 50 fois plus de victimes chaque année, mais rien à cirer, c'est ce corona machin qui serait le plus dangereux. C'est plutôt le macronavirus qui m'inquiète. De plus, il a muté en connarovirus. Et à qui ça profite ce merdier? Toujours les mêmes. Ça fait 2 ans que vous vous plaignez presque, 1 an et demi, là, oh, oh! Pour lutter efficacement contre le coronavirus, le gouvernement annule tous les grands rassemblements, sauf ceux qui rapportent du fric, car faut pas déconner non plus. Bonne sodomie, puis faites passer le message à vos collègues, et arrêtez de vous plaindre, le peuple français. Arrêtez de vous plaindre, putain, oh! Il y a quelque chose de très surprenant. Le dîner des juifs qu'on appelle les restos du CRIF a été reporté pour cause de virus. Ce dernier porterait des germes antisémites. Oh, c'est rageant ça. Mais rassurez-vous braves gens, pour ceux qui ne le savent pas encore, dans les mois qui suivront, un grand pays viendra nous sauver. Brigitte, l'épidémie avance et la recherche aussi. Vous nous parlez plus particulièrement ce matin d'un vaccin mis au point par des chercheurs israéliens. Yes! Ouais! Alors là, les chercheurs israéliens, certains vont dire que c'est le hasard, d'autres diront que c'est de la chance. Ils travaillent depuis 4 ans sur un coronavirus de la volaille. Parce que chez les volailles, il y a une bronchite infectieuse, terrible, et donc ça fait 4 ans qu'ils travaillent là-dessus. Alors ça... Et à côté de ça, encore un valeureux chevalier du Moyen-Âge en croisade pour délivrer le temple de Jérusalem. Colle-toi la seringue dans le cul et redevenons sérieux. Non seulement ces chercheurs sont liés à une célèbre association médicale française impulsée par la juive de l'IVG Simone Veil et engagée pour Israël, et ce n'est qu'une coïncidence, leur organisme avait justement bénéficié des investissements d'un milliardaire français impliqué dans la création d'un laboratoire ultra-sensible de virologie de la zone épicentre de l'épidémie en question. N'oublions pas que la juive Agnès Buzyn, la nièce de Simone et ex-ministre de la Santé sortante, son mari Yves Lévy et l'actuel directeur général de la Santé sont chacun intimement reliés à travers cette association pro-israélienne également, impliquée dans la coopération franco-chinoise de Wuhan. N'oublions pas le successeur de Buzyn, dénommé Olivier Véran, deux petites secondes, je crois qu'il a un petit problème. Circulation du virus soit pleinement efficace, il faut que chaque Française... Que chaque Français devienne un acteur de ce combat, de cette lutte. Et pour cela, ça veut dire avoir en tête des choses très simples à faire, mais qui sont essentielles. Se laver les mains, toutes les heures, au savon, pendant 20 à 30 secondes, de façon très méticuleuse, est probablement la meilleure façon de lutter contre la circulation. Dites les gars, vous...
Vous êtes sûr d'avoir bien débranché et rebranché ce nouveau ministre de la Santé à la con? J'ai l'impression qu'il fonctionne pas bien. Bref, je disais donc, c'est un proche du CRIF depuis 2012, à la fois discret et loyal, puisque ce merdeux avait voté en faveur de la récente résolution scélérate, visant à diaboliser l'idéologie politique légitime de l'antisionisme. À présent, n'oubliez pas d'aller vous faire piquer contre ce virus à la con. Israël se charge de tout. Allez, bonne bourre, bonne sodomie. Allez, salutasse.